Mère qui le retour, l'enfant. Eric le retour, le king. Bro, c'est quel charla ça? Ah, la troisième bière là. Arrête-moi un peu, regarder mes résultats. Toi, tu es là, tu m'as embrouillé l'autre jour, j'ai fini par perdre l'argent pour rien. C'est moi qui t'ai embrouillé, je t'ai dit que la fin, ça va te finir. Ça me finit comment, Ka? Ok, faut arrêter ça, mon frère. Hey, tu es même là, tu m'as dit que tu es assez, mais depuis un temps, chaque fois tu me dis comment tu es infidèle, tu es infidèle. Hein? Mais tu fais des choses bizarres, toi, tu es en train de draguer des petites filles. Est-ce que tu veux comprendre? Quand je te donne les conseils, est-ce que tu comprends? Moi, je ne drague aucune petite fille, je t'ai dit. Fidélité oblige. Ah, laisse-moi les cheveux là. Alors. Viens un peu, attends un peu. Le Ndjanga qui a les mains sur la tête, s'il fait quoi là? Il est quelle heure? Tous les enfants là sont derrière rentrés à la maison. L'enfant là, quoi là? Il est même là comme un enfant là. C'est quoi ça? Ça veut dire que c'est un maman ou c'est un papa inconcernant. Ouais! Comment tu mets ton enfant au monde? Même venir récupérer l'enfant à l'heure que les classes sont, tu refuses carrément. Je veux dire, c'est la directrice là, c'est ta voisine, non? Essaie de te rapprocher, de savoir un peu, pour savoir un peu ce qui se passe. Et la directrice est sortie depuis. Elle est sortie depuis, l'enfant est là depuis comme ça. Non, mais c'est une école de ton quartier, tu essayes de voir ce qui ne va pas. Si c'était chez moi, je serais en train de partir voir. Attends, va d'abord voir ce qui ne va pas. Comment l'enfant là est placé là? Donc, comme... T'es pas un bien, parce que tu es souvent bizarre comme ça, tu vas... Oh petit. Ça va. Maman n'est pas venue te chercher. Elle vient souvent te chercher à quelle heure? À la sortie. Tu habites loin. Chaque fois que tu restes ici le dernier comme ça. Attends, la voiture qui vient, peut-être que c'est... Attends, c'est ton père ici. Hein? Comment tu es seul dans ton établissement? Les enfants sont partout. Tout. Hey, tu t'appelles comment? Emma. Oui. Tu as quel âge? 5 ans. Tu as 5 ans. Donc on t'a abandonné. Ouais, tu es le seul. À 18h comme ça. Ça va aller, viens, viens. Viens t'asseoir à côté de moi. Hein. Ouais. Attends, il dit quoi? Allez, on va le chercher. Et qui? Assois-toi ici. Mon bébé. Donne la place au soleil comme ça. Ça là, va? Pour rien. Hein? Ça va, allez. Viens t'asseoir ici. Assois-toi ici. Assois-toi là. Assieds-toi à côté de tonton. Hein. Ouais. Attends, c'est quoi? Hein? Maman n'est pas encore venue te chercher? Non. Hein? Non. Tu t'appelles comment? Emma. Hein? Emma. Emma. Tu fais quelle classe? La grande section. La grande section. Gars, pourquoi certains parents sont comme ça? Hein? Tu laisses l'enfant comme ça à l'école, si on vient le kidnapper, tu dis quoi? Hein? Ce sont les parents qui font souvent que tu vois, ils donnent des opportunités aux gens qui sont mal intentionnés. Quand tu demandes qu'il y a un enfant qu'on vient toujours prendre en dernier, tu sais pas que tu peux organiser un truc sur l'enfant. Effectivement. Pourquoi les parents sont comme ça? Hé. Hey. Ah. Tu vas blaguer même là, peut-être que la fois-ci, on a carrément oublié peut-être qu'il peut dormir à l'école comme ça, on peut le blaguer. Je te dis, il est là tout seul, là. Il n'y a aucun autre élève. Ah, maman, tu bois le jus là. Hein? Oui. On va te faire le jus tout à l'heure. On va te faire le jus. Ouais. C'est souvent comme ça que tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont terribles. Juste là. Oh. Emma, tu fais quoi là-bas? C'est la sorcellerie toi! Et d'ailleurs, tu n'as pas valeur aux étrangers, non? Ce sont les qui comme ça, je suis à ta soirée. Parlez-moi, toi, je ne peux pas! Oh, attends, madame! Hé! Hey. Madame! Bête! Vous savez, faut au moins respecter les gens. Vous ne pouvez pas arriver à cette heure si vous venez chercher l'enfant. Vous allez sur votre bruit, vous me suivez bien. Vous me suivez bien, là, madame! Mon problème, c'est quoi? C'est votre enfant. Enfant comme appartenance sociale, vous comprenez? Ce n'est pas seulement l'appartenance familiale. Non. Vous comprenez? Chaque individu a le droit de prendre soin de l'enfant, même si ce n'est pas lui le père ou alors le parent de cet enfant-là. Vous comprenez ça? Vous êtes là, donc je viens de vous voir là au téléphone. Ça ne vous dit rien. Vous tenez le pas. Vous venez chercher votre enfant à l'école. C'est mon enfant. Je suis libre de le laisser à l'école comme il veut. Je ne vais pas aider à l'accoucher. La fille, c'est mon problème. Donc tu parles comme ça, tu prétends là-dessus. Donc tu abandonnes ton enfant. Maintenant,
je prends en compte, tu prends sur moi de mettre l'enfant en sécurité. Tu crois que tu joues les grands airs. Il t'a demandé de mettre mon enfant en sécurité. Tu connais ce qui te sauve là où tu es là. Tu connais ce qui te sauve là où tu es là. C'est l'enfant que tu as mal là. Quand moi me parle comme ça, on se blesse très rapidement. Tu me suis. Tu me perds quelque chose sur toi là comme ça là. Au lieu de venir, tu dis merci qu'on a pris la franchement de mettre ton enfant en sécurité. Tu viens, tu parles fort. Il y a une parenté responsable, hein. Soyez conscient. Okay. Vous ne pouvez pas rester à la maison, vous faites quoi? L'enfant est là, regardez-le, tout le monde est parti. L'enfant est là, il est en train d'errer. Mais vous êtes là en train de tenir le pas, vous êtes au téléphone. Et pour finir, vous arrivez là, au lieu de venir même vers nous, nous remercier. Ce que vous trouvez mieux de faire, c'est de nous prendre pour de vulgaires gougnafiers. Donc on met la peau qui d'appelle votre enfant, n'est-ce pas? C'est ça non? Après on va dire que je suis brutal. C'est ça non? Maman, avant quand on me parlait comme ça, je prends le poteau, je te frappe ça sur la tête. C'est moi! Je passe encore si je vois l'enfant s'y placer si seul. Madame, je vous compte en roue, non? C'est lâche. Même ton mari va bien me faire. Il va te faire ce qu'on t'a jamais fait. Comme ça. Donc, à partir du jour, tu prends soin de l'enfant. C'est quoi, c'est ton enfant? Tu es sûr? Parce que tu as fait comme ça que c'est même pas son enfant. Hein? Parce que les comportements. Tu es la domestique de la maison. Parce que tu as un comportement de domestique où tu es là. Tu n'as pas le comportement d'une mère. Tu comprends ça? Tu peux faire comment pour abandonner son enfant comme ça? Tu fais comment pour l'oublier? Ça fait plus de 2 heures de temps que l'école est finie. Toi, tu faisais quoi? Depuis là, tu faisais quoi? Avant de. Hein, mon petit, il manque. T'es ta mère ici? Oui. C'est pas possible. Il y a certaines filles qui. Son propre enfant, elle a mal de, le mal de son propre enfant, comme si. On t'avait forcément forcé. On t'avait forcé à l'accoucher. Non. Ah, c'est quoi, le genre de fille qui a voulu. Le genre là, non. Une fille qui a voulu avorter plusieurs fois l'enfant. L'enfant n'est pas sorti. Quand il naît, comment est-ce qu'elle va prendre soin de cet enfant-là? Comment est-ce qu'elle va l'aimer? Ce n'est pas ça. Donc, arrêtez ça. C'est ce que j'avais cru à faire à la maison et le temps est passé. Quand je me suis rendu compte qu'il était à l'heure passée pour venir chercher, il se faisait un peu tard. Et c'est la façon de le reprendre quand vous arrivez là. Il faut seulement le gronder. Il faut prendre comme s'il était assis avec des vulgaires voyous. Le monde est devenu méchant. Donc le monde est méchant. Toi-même, tu as là-bas, tu es là-bas méchant dans la base. Comment tu laisses voir l'enfant comme ça? Hein? Donc j'ai eu peur qu'il était avec des personnes malsaines, c'est pour ça que je l'ai grondé. Parce qu'on doit dire aux enfants de ne pas parler aux inconnus, parce qu'on ne sait vraiment pas. Vous êtes des personnes de bonne moralité, mais d'autres personnes ne le sont pas. Donc c'est pour ça que j'ai levé la voix. Oui, mais maintenant ton retard même peut être préjudiciable. Ton retard peut amener quelqu'un à kidnapper ton enfant, hein, ou à lui faire du mal. Donc tu gagnerais plutôt à concentrer toute ton énergie, toute ta volonté à pouvoir venir le chercher rapidement à l'école. Dès que l'école sort, donc dès que les classes sortent là, tu fais tout. Tu viens là, tu t'organises. Il y a quoi? Tu faisais des choses à la maison. Les travaux là sont plus importants que ton enfant. Hein? Imagine que tu arrives là, tu ne le trouves pas. Tu fais comment? Je suis vraiment désolée et merci beaucoup d'avoir pris soin de. J'espère que ton merci là, c'est un merci que je vais pouvoir l'apprendre ici. Mon bébé. Parce que moi, je t'ai remarqué. Mon bébé. Si je vois. Tu as dit que tu fais quelle classe? Moi, je vois les pouvoirs avec toi. La grande section. Il n'y a pas de problème, madame. Il faut prendre votre enfant et partir avec lui. Mais évitez ça. Il faut éviter ça. Même la façon de parler aux gens. C'est ça, de nous parler. Soyez poli. Ok, merci. Je m'excuse. Ok, allez-y. Et ne le faites plus. D'accord. Et c'est qui ça à la fin? Donc, nous, on prend sur nous de prendre soin de son enfant. Elle vient là. Elle se met à vociférer. Elle dit du n'importe quoi sur nous. Hein? La seule chose qui sauve la fille, c'est qu'elle est bonne. Ça n'était même pas bonne. Donc arrête ça, arrête ça toi aussi. Laisse ça, j'étais Dieu toi. Tu as ta femme à la maison, arrête un peu ça. Arrête ça. Eric, je t'ai déjà trop parlé, il y a les maladies dehors. Les maladies. Ouais, arrête un peu ça. Pourquoi tu te parles rien qu'à la fille avec la bouche comme ça, le côté homme, je te vois prendre les numéros. Moi, je ne le fais pas. Je ne les numéros que tu penses, c'est pour faire quoi? Écoute, ma reine qui est chez moi là, j'ai fait d'elle le trésor de mon cœur. Donc, je ne suis plus là. Pardon. Et tu as les mots bien classés, bien posés pour parler de ça. Alors que bon, maintenant, laisse-moi, quand on prend le numéro, toi ne prends plus. Ça se même un peu. Ta bière là encore beaucoup. La mienne tu vois alors. Je savais que c'est là où tu vas aller finir. C'est toi qui m'as fait avoir soif. Non, la petite assiette, je dis que si je vois encore l'enfant, c'est celui-là. Je vais traiter la fille, même si c'est là, même la charrette. Bon, ma pelle s'en va où? Eric le retour, l'enfant. Eric le retour, le cul.